Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les 1500 logements sociaux de Basseko au nord de Ouagadougou cherchent preneur. Face à la forte demande, un tirage au sort devrait permettre d'attribuer ces villas qui viendront résoudre un tant soit peu le problème du logement dans la capitale. La campagne électorale pour la présidentielle malienne s'achève aujourd'hui. Les trois principaux candidats ont jeté toutes leurs forces dans la bataille. Soumaïla Cissé, Ibrahim Boubacar Keïta et Modibo Sidibé estiment qu'ils sont bien placés pour remporter l'élection. Bienvenue au journal donc. La Direction générale de la fonction publique territoriale existe désormais pour prendre en compte les préoccupations des agents des collectivités pour que les uns et les autres comprennent les contours de cette nouvelle structure. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation a rencontré ce matin les syndicats des collectivités territoriales pour recueillir leur avis. Jacques Lamissa Tarpaga. Le ministre Toussaint Abel Koulibaly anticipe ainsi sur l'avenir en recevant autour d'une table l'ensemble des syndicats des collectivités territoriales. L'idée est de partager les nouvelles orientations du ministère, notamment la création de la Direction générale de la fonction publique territoriale pour une meilleure prise en compte des préoccupations des agents. La porte d'entrée de la Direction générale de la fonction publique territoriale leur est ouverte et que nous ne devons pas attendre qu'il y ait des difficultés pour nous rencontrer. Parce que nous savons que chaque jour, il y a toujours quelque chose à faire pour faire avancer les droits des travailleurs. Parce que plus nous allons améliorer les conditions des travailleurs des collectivités, et mieux cela vaudra pour la décentralisation. Et comme notre objectif est que la décentralisation réussisse, nous avons le devoir de maintenir ce contact-là pour que tout le monde soit motivé. Côté syndical, l'initiative est saluée et l'espoir que les préoccupations soient résolues devient plus grand. Quand vous avez des problèmes et que les problèmes ne sont pas résolus, moi je pense que de manière rentrée à un travailleur qui est assis derrière son bureau, qui a son atelier, ou qui est sur le chantier, qui n'a pas mangé à sa faim, qui ne sait pas comment il va dormir, qui ne sait pas comment il va se couvrir, je pense que ça... Cette ex-fédération des efforts pour l'atteinte des objectifs se poursuivra dans ce ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Le chef des lieux, lui, entend mettre les travailleurs au cœur de cette entreprise nationale qu'est la décentralisation. Fin à Wayugia de l'atelier de formation des députés sur la technique de rédaction et de l'art de comprendre la loi. La Commission des affaires générales institutionnelles et les droits humains, KGDH, a initié cette rencontre pour permettre aux élus de maîtriser tout le processus d'élaboration d'une loi. Le bilan de l'atelier avec Sougounouma Ibrahim Guigma. En principe, la logistique n'a plus de secret pour ces députés membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains de l'Assemblée nationale. Après 48 heures de formation à Wayugia, les voici aguerris des principes et règles de la technique de rédiger et de l'art de comprendre la loi. À entendre ses participants, les modules sur l'environnement légistique, la légistique matérielle et formelle, dispensés par les formateurs Jean-Baptiste Diasso et Seydou Koulibaly, ont été suffisamment édifiants. Personnellement, quand on voyait les projets de loi, bon, on ne faisait que corriger les fautes de forme, les fautes d'orthographe, mais maintenant on sait comment doit se présenter un texte de loi et donc nous pourrons apporter quelque chose. En tant qu'élus, nous participons à l'élaboration des textes normatifs et cette formation était la bienvenue à ce qu'elle nous aura permis de pouvoir mieux appréhender les règles, les principes et les techniques d'élaboration donc des textes législatifs. À l'issue des travaux, les principales recommandations faites par les participants à cet atelier sur la légistique portent entre autres sur l'élaboration d'un guide légistique par l'Assemblée nationale et l'extension de cette formation à l'ensemble de tous les députés et à tous les fonctionnaires parlementaires qui appuient les commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Lancement ce matin à Bobo-Dioulasso de la troisième édition de la journée des fleuristes organisée par l'association Face au Vert et parrainée par le président de l'Assemblée nationale. Cette manifestation a pour objectif de lutter contre la désertification et de participer activement à l'amélioration du cadre de vie. Reportage à Bobo-Dioulasso, Sylvain Vevamba.
L'association Face au Vert, initiatrice de cette journée, entend ainsi promouvoir la lutte contre la désertification, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Une action écologique et sociale qui mérite d'être soutenue. Ce que vous faites, c'est de notre emploi et que c'est un travail digne. Je sais que vous intervenez également pour soutenir l'aménagement de la ville et que vous êtes également au cœur de l'épanouissement du développement des pépinières. Je voudrais vous dire qu'il faut toujours être organisé. C'est grâce à cette organisation et c'est pour promouvoir cette organisation que nous sommes à vos côtés. Ce regroupement de près de 70 jardiniers, pépiniéristes et fleuristes, en plus de permettre la formation de ses membres, a produit pour la ville de Bobo et ses environs 2 876 000 plants. Cependant, sa volonté de mieux faire se heurte à des difficultés que l'association Face au Vert voudrait faire savoir à travers la tenue de telles journées. Nous contribuons à la commune, à l'acquisition de plants pour le reboisement. Ça, c'est très important. Même pour l'embellissement aussi, nous contribuons beaucoup. Il y a des gens qui nous ignorent dans cette ville. Ils ignorent notre place dans la société. Par contre, quand nous organisons comme ça, ça permet plus de visibilité. L'organisation et l'action des fleuristes regroupés dans cette association est saluée par le maire de la ville. Avec cette organisation, non seulement ça leur sert à eux-mêmes de gagner leur pain, mais également aussi à toute la ville et même au pays. Surtout qu'avec l'association, ils arrivent à avoir des plans qui n'avaient pas ici. Non, et puis également, ce qu'ils ont demandé aussi en ce qui concerne la formation, parce que nous allons être mis à cela, soit à partir de maintenant, parce que nous sentons vraiment leur volonté à droit d'aller de l'avant. La cérémonie a servi de cadre pour la remise de plus de 1000 plans à la mairie, au conseil régional ainsi qu'aux autorités présentes. Des fleurs, les bénéficiaires de la cité de Basseko dans la banlieue nord de Ouagadougou en auront besoin pour embellir leur nouvelle maison. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a procédé ce matin au tirage au sort officiel des premiers bénéficiaires des logements sociaux de Basseko. 1500 logements ont été réalisés pour les salariés du public et du privé. Il reste entendu que le tirage au sort ne fera pas que des heureux. Abdoul Rasmane Zongo. Visage tout réjoui, démarche allègre, émotion au rendez-vous, Madame Catherine Ouédraogo est l'heureuse bénéficiaire d'un logement social dans la cité de Basseko à la sortie nord de Ouagadougou. C'est l'émotion qui fait que je ne sais pas quoi dire. Parmi 600 et quelques, si je suis tirée parmi les 25 premiers d'abord, c'est une grande joie. Et d'avoir été sélectionnés pour ces logements sociaux. À l'image d'elle, ils sont environ 2000 souscripteurs présélectionnés pour le tirage au sort en vue d'acquérir 1500 logements sociaux au total. L'initiative est du gouvernement et vise à offrir des logements décents et accessibles aux salariés du public et du privé. Et ce sont ces 2000-là qui feront l'objet d'un tirage au sort et nous avions voulu. Dans le temps, on avait un logiciel qui nous permettait donc de donner, mais nous avions voulu, pour la campagne-là, utiliser donc le service d'un huissier et faire un tirage au sort public pour garantir un peu plus de transparence, pour permettre donc au premier tiré de se déplacer à la banque de l'habitat, s'assurer qu'il remplisse également les conditions de domiciliation de compte, et puis donc passer à la signature de leur contrat par acte notarié pour entrer en possession de leur maison. Évidemment, tout le monde n'est pas en général chanceux dans un tirage au sort. Les candidats malheureux restent fair-play et attendent une prochaine occasion. Nous n'avons pas été bénéficiaires, mais on souhaite bon sens et longue vie à la promotion 1500 logements sociaux et que notre sens vienne prochainement. Les heureux bénéficiaires doivent par la suite domicilier leur compte courant à la banque de l'habitat, plus un apport personnel de 10% avant d'acquérir leur logement. La Commission nationale pour l'UNESCO forme les membres des comités spécialisés sur l'exploitation des principaux documents de l'UNESCO. Cette formation permet de renforcer les capacités des participants en vue de la prochaine session de la Conférence générale de l'Organisation spécialisée des Nations unies pour les sciences, la culture et l'éducation. Reportage Maïmouna Traoré.
Ces membres des comités spécialisés de l'UNESCO ont pour mission essentielle de préparer les assises nationales de la Conférence générale du Conseil exécutif de l'UNESCO. Pour remplir ces missions en tant qu'organe exécutif, la Commission nationale pour l'UNESCO se réfère souvent à eux. C'est pourquoi elle a organisé cette formation pour leur permettre de mieux comprendre les principaux documents de l'UNESCO. Nous allons présenter les deux documents importants que sont le projet de stratégie à moyen terme 2014-2021 et le projet de programme et de budget 2014-2017. Voilà donc aux différents membres, aux participants de cet atelier. Une formation pour leur permettre également d'harmoniser leurs points de vue et de participer pleinement à la 37e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Ce sont nos techniciens, ce sont les bras armés sur le plan intellectuel, ce sont nos experts en la matière. La plupart d'entre eux, notamment les présidents des comités spécialisés, se rendent à la Conférence générale. C'est tout à fait normal qu'ils connaissent et maîtrisent le vocabulaire, qu'ils maîtrisent le contenu de différents documents et pour pouvoir participer pleinement à ces travaux pour faire passer le message du Burkina Faso à cette grande instance. Cette rencontre de formation est une occasion pour recueillir leurs critiques et conseils afin de permettre à la Commission de tisser de meilleures relations entre l'UNESCO et le Burkina Faso. Le plan stratégique 2014-2021 du marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est au centre d'un atelier qui se déroule depuis hier à Ouagadougou. Les participants devraient s'approprier ce plan qui vise à accroître la visibilité du marché, assurer sa promotion auprès des investisseurs et améliorer son fonctionnement. Ramatou Zida, Sié Sylvestre. Un plan stratégique pour mieux réguler les marchés financiers des pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine. L'Union entend par là accroître la visibilité du marché financier régional et assurer la promotion des investisseurs. La rencontre de Ouagadougou est le lieu pour les acteurs et intervenants financiers de l'Union de s'approprier les résultats de l'élaboration de ces plans stratégiques et de dégager des directives pour sa mise en œuvre effective. La mission du Conseil régional, c'est surtout de protéger les épargnants et de faire de sorte aussi que puisse réguler le marché financier d'Union. Ce plan va consister à doter des outils au sein des ensembles des acteurs du marché en vue de favoriser le financement des économies de l'Union, qui est notre objectif final. Au-delà de ça, nous voulons également instituer au sein de l'Union un marché financier sécurisé et viable afin de conduire nos différentes activités. Cette rencontre est consécutive à celle tenue à Ouagadougou le 23 juillet dernier. Elle s'inscrit dans la dynamique d'action du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ouest-africains. Une dynamique qui est de créer un marché conforme aux normes internationales. À l'horizon 2021, il est attendu que la mise en œuvre de ces plans stratégiques rende le marché régional plus attrayant et renforce la protection des épargnants. Elle devrait également améliorer les liens de coopération entre les institutions et les États membres de l'Union. Aucun rendez-vous n'est de trop quand il s'agit de promouvoir le civisme auprès des jeunes. Koudougou habite depuis hier un séminaire chargé de déterminer de nouvelles stratégies pour venir à bout du phénomène de l'incivisme en milieu jeune. Les rencontres se multiplient donc pour cultiver l'esprit de tolérance et de paix au sein de la jeunesse. Wendata Nathalie Kaore. À la récurrence des mouvements de contestation qui se traduisent parfois par des actes de violence, le Forum national sur le civisme tenu les 30 et 31 mai 2013 avait recommandé, entre autres, de mettre l'accent sur l'éducation civique de la jeunesse. Cette rencontre est donc un cadre pour identifier des stratégies innovantes afin d'éviter que la jeunesse, considérée comme l'avenir de la nation, ne s'adonne à des actes d'incivisme. Le phénomène de l'incivisme atteint donc des proportions inquiétantes dans notre pays et se déplace même des rues vers les milieux éducatifs. Ainsi, l'école, autrefois vitrine de l'apprentissage et de la socialisation, est en passe aujourd'hui de devenir le terreau de la violence et de l'insécurité.
Les actes d'incivisme sont aussi la conséquence de l'effritement des valeurs sociales. Pour contrer le phénomène, les acteurs du domaine estiment que tout citoyen doit jouer sa partition. Il y a des choses très très simples, très très faciles, qui vous, moi, nous tous, peuvent suivre. En donnant des exemples, en ne plus jetant un bout de papier sur la rue, en étant poli à une dame qui veut passer la rue, en respectant un feu rouge, en ne pas acceptant de l'argent pour rendre un service, que chacun respecte chacun. Le séminaire regroupe des acteurs politiques et des professionnels du droit, de la sécurité et de l'éducation. Les conclusions de leurs travaux serviront de base pour les actions futures qui seront menées directement à l'endroit des jeunes pour la promotion du civisme dans la société burkinabé. Le 12e congrès de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque se tient à Ouagadougou. Promoteurs d'enseignement privé, enseignants et partenaires planchent autour de l'apport de l'enseignement privé au système éducatif burkinabé. L'originalité de ce 12e congrès est qu'il coïncide avec les 40 ans d'existence de l'Union. Abdoul Rasmane Zongo. L'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque du Burkina fixe l'attention pendant 3 jours sur l'apport de l'enseignement privé dans le paysage éducatif, mais également sur le partenariat public-privé. La structure est à son 12e congrès, et un congrès qui fait également office du quarantenaire de l'Union des établissements d'enseignement privé laïque du Burkina. De ce fait, les congressistes aborderont bilan et perspectives 40 ans après la création de l'Union. D'abord, la création d'établissements privés laïcs dans tous les ordres d'enseignement. En particulier, la contribution notable de nos écoles dans l'enseignement technique et dans l'enseignement supérieur. Effectivement, vous voyez actuellement le développement de l'enseignement supérieur avec évidemment ses tarifs et ses qualités que cela regorge, mais la diversité des offres éducatives, la diversité des formations qui sont offertes actuellement par l'enseignement privé sont pour nous un fait notable. L'importance de l'enseignement privé dans le système éducatif n'est plus à démontrer et les congressistes sont soutenus par leur ministère de tutelle. L'enseignement privé contribue à l'éducation, à la formation des jeunes. Mais c'est pour que ces jeunes puissent être utiles à eux-mêmes et à la société. C'est pour que ces jeunes puissent être disponibles des acteurs productifs, performants dans le système économique. Ce qui permet effectivement, va permettre à nombre de secteurs de les employer. Sacrifices et mérites des pionniers de l'enseignement privé ont été reconnus à travers des témoignages et les participants attendent de fortes recommandations aux sorties du congrès pour un enseignement privé de moins en moins privé de qualité, c'est-à-dire de plus en plus qualifié. L'université Aube Nouvelle ex-ISIG envisage de créer de nouvelles filières de formation. Ces nouvelles filières sont géologie et mines, agronomie, électronique, anglais, etc. Avant d'engager ces réformes, un atelier de validation se penche sur ces nouvelles filières qui veulent tenir compte de la problématique de l'emploi des jeunes. Oumou Sissé, Sié Sylvestre. Bientôt, de nouvelles filières à l'université Aube Nouvelle ex-ISIG International. Ce sont entre autres les filières géologie et mines, agronomie, électrotechnique. Les projets des programmes de ces filières sont soumis à l'appréciation de ces anciens chercheurs venus du Burkina, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo. C'est une tradition pour nous que chaque fois que nous voulons lancer un nouveau programme, on le soumette à l'appréciation des autorités universitaires les plus avisées et ceci facilite. Lorsque nous allons soumettre ce programme-là au CAMES, on a toutes les chances que ça puisse passer. Et donc l'atelier de ce matin, en tout cas, c'est pour préparer des programmes dignes de ce nom. Des programmes qui doivent répondre aux normes LMD, licence, master, doctorat. Ils doivent aussi tenir compte de la problématique actuelle de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, il y a un souci de plus en plus. C'est d'allier la formation à la question de l'emploi. Et les nouvelles filières qui sont proposées sont des filières dont le souci majeur
et d'allier cette préoccupation. L'ISIG a été érigé en université en 2012 avec la mise en place de ses nouvelles filières, l'université Aube Nouvelle qui totalise 20 ans d'existence, en tant donné une nouvelle orientation à la formation académique des jeunes. Le programme national de gestion des terroirs PNGT 2 phase 2 a bouclé ses 5 ans d'activité. Les membres du comité de pilotage se sont retrouvés à Tenkodogo pour évaluer les acquis du PNGT 2. À la lumière des travaux, il ressort que cette deuxième phase, qui a débuté en 2006, a permis de faire de nombreuses réalisations en matière de services sociaux. Reportage à Tenkodogo, Mumuni Soubega. Une aide à abattage des animaux et un forage au profit de la commune de Dialkaï dans le Kuritenga. L'initiative est du 10e programme national de gestion des terroirs phase 2, conçu pour accompagner les communes rurales. En plus des investissements physiques que PNDT a pu réaliser, il y a aussi le renforcement des capacités. Avec ce projet-là, beaucoup de peines des paysans ont pu quand même être résolues. À l'image de Dialkaï, 300 et une autre commune ont déjà bénéficié des œuvres de ce programme mis en place par le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale dans l'optique de booster le développement local. Grâce au renforcement des capacités, grâce à la collaboration et à la participation effective de tous les acteurs, nous sommes aujourd'hui fiers que plus de 5800 micro-projets ont été réalisés avec la maîtrise d'ouvrage totale des conseils municipaux. Nous avons pu voir donc des routes qui ont été construites, nous avons pu voir des périmètres aménagés qui ont été mis en place et qui ont contribué largement à l'amélioration des revenus et à la réduction de la pauvreté donc dans la zone d'intervention du projet. Avec un budget d'environ 43 milliards de francs CFA, ce sont environ 6000 micro-projets qui ont été réalisés, d'où la satisfaction du principal partenaire du projet. La deuxième phase du PNGT, c'est un projet pour nous qui est réussi. L'engagement pris par les deux parties, que sont la Banque mondiale et le gouvernement du Burkina Faso, de soutenir et de booster le développement local à travers le programme PNGT, ça a été vraiment quelque chose de bien pensé. À la 11e et dernière session du PNGT 2 phase 2, tous les acteurs du comité ont reçu les félicitations pour les acquis engrangés. Les regards sont désormais tournés vers la phase 3 qui va de 2013 à 2018 avec l'amélioration des acquis et la sécurisation foncière comme point d'orgue toujours avec l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 35 milliards de francs CFA. Le projet Nutrifaso, porté à bout de bras par la Chine, a pris fin cette année après 3 ans de mise en œuvre. Taipei a investi pour la seule année 2013 environ 130 millions de francs CFA dans ce projet. Nutrifaso avait pour objectif de lutter contre la malnutrition au Burkina à travers la promotion et la diffusion de farines infantiles de qualité. Lazare Pouya, précision. Combattre la malnutrition à travers la promotion de farines infantiles, c'est l'objectif que s'est fixé depuis 2005. Le projet Nutrifaso. Pour y parvenir, le projet a soutenu et encouragé les petites et moyennes entreprises à s'intéresser à la production de farine infantile. Ainsi, des entreprises comme Natavi, qui ont bénéficié du soutien du projet, ont vu leur volume de production passer de 200 kg à 8 tonnes par mois. Nous avons bénéficié d'une machine d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Et nous appuie également dans la conquête des marchés. Font la promotion du produit à travers beaucoup de régions. Le projet Nutrifaso a bénéficié de l'appui du groupe de recherche et d'échange technologique grec et de l'ambassade de la République de Chine, Taïwan. Nous apportons des appuis techniques aux entreprises pour leur permettre d'être plus performants, de produire des aliments de meilleure qualité. On les aide aussi à être plus performants pour diminuer leurs coûts de production, pour que les aliments qui sont mis en vente sur les marchés soient le moins cher possible. Je crois que pour le monde avec la Chine, on tient ça beaucoup. C'est pourquoi Tobin 5, on apporte toujours un soutien financier à ce projet. Je crois que jusqu'à maintenant, les résultats sont satisfaisants. Ce projet qui prend fin en ce mois de juillet s'est intéressé aux communes rurales du Burkina ainsi que les périphéries des communes urbaines. Une des réussites du projet, selon la directrice du GRET, est la mise sur le marché de la farine Lafé Benri. Le mois de carême est une période qui appelle à la solidarité et à l'entraide. L'Organisation pour le secours humanitaire a procédé à la distribution de vivres aux populations locales et aux réfugiés maliens dans le Soum, le Passoré et le Loroum. Une initiative saluée par les populations à sa juste valeur. Mumuni Soubega.
des vivres pour accompagner le carême. L'initiative est de l'organisation pour les secours humanitaires soutenue par la Fondation Cheikh Abdallah Nouri, basée au Koweït. À Lille-Bouré, Latodin et Titao, le don se chiffre à 3,5 millions de francs CFA. Sur le site de Mentao Centre, abritant 17 000 réfugiés maliens, 50 millions de francs CFA ont été mobilisés. Il y a beaucoup de besoins ici. C'est pour cela que nous avons choisi ce site. Bon, premièrement, ils ont laissé leur pays et puis ils venaient ici. Il y a peu de... Ils ne peuvent pas faire le commerce, ils ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent rien faire. Et puis, c'est obligatoirement, si quelqu'un est vivre seulement, obligatoirement, il doit manger. Et puis, il y a des mois de Ramadan, il y a pas... c'est difficile avec eux. Un geste diversement apprécié par les principaux bénéficiaires. Ce n'est pas suffisant, mais comme il y a eu l'intention de donner, nous sommes satisfaits de ces gestes. Sinon, ce n'est pas suffisant pour tout le monde. J'espère qu'il y a la volonté de donner. C'était une bonne chose et on a remercié aussi les donateurs. Même si c'est un grand, ça arrange quelque chose. Une fois que les gens se reconnaissent. On a remercié ça aussi. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils ont intervenu. Ils sont intervenus avant ça. Et je remercie tous les donateurs, d'ailleurs celui qui amène un peu, va amener beaucoup. À quelques jours de l'élection présidentielle malienne, les donateurs ont émis le vœu de voir les réfugiés regagner leur pays dans la paix. La coopération entre le Japon et le Burkina a de nouveaux défenseurs avec l'arrivée de 11 volontaires japonais dans notre pays. Ces coopérants nippons ont rendu mercredi dernier une visite de courtoisie à Sa Majesté le Morunaba Bangogo. Les jeunes japonais ont reçu à cette occasion les bénédictions de l'empereur des Mose. Sieur Sylvestre Da. 16 volontaires japonais au palais du Morunaba Bangogo. Ils sont venus demander la bénédiction de l'empereur des Mose avant de rejoindre leurs postes d'affectation respectifs. Je voudrais présenter à Morunaba les 11 nouveaux volontaires qui vont se répartir et dans partout du pays. Et je crois que cette occasion va permettre de faciliter leur travail, leur activité et enraciner au cœur de la population burkinabé. Merci d'être là dans son palais ce matin et merci au Japon pour tout ce qu'il fait pour le Burkina Faso. Et il profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux jeunes volontaires qui découvrent pour la première fois notre pays. Il les souhaite un très bon séjour et que sur les différents terrains où ils seront, ils apprendront à vivre la vie que vivent nos communautés et apprendre aussi leur culture à nos communautés. Ces volontaires japonais sont issus de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA qui intervient dans l'éducation, la santé, l'agriculture et l'intégration régionale dans plusieurs régions du Burkina. Ces volontaires entendent contribuer dans la recherche du bien-être des populations et partant au développement du Burkina Faso. L'ONG britannique International Service fête cette année son 60e anniversaire. L'ONG humanitaire présente au Burkina intervient également à travers une dizaine de pays dans le monde. La célébration de cet anniversaire au Burkina a eu lieu à Gilungu, dans l'Ubritenga, le 23 juillet dernier. C'est Sylvestre Da. 1953-2013, cela fait 60 ans que l'ONG britannique International Service œuvre pour le bien-être des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap à travers le monde. Pour la célébration de ce 60e anniversaire au Burkina, c'est le village de Gilungu dans le Ubritenga qui a été choisi par l'ONG et ses partenaires. Une cérémonie ponctuée d'allocutions, de remises d'attestations et de cadeaux. C'était une opportunité pour nous et pour montrer que travailler avec nos partenaires sur le terrain est vraiment très important pour nous. C'est pour cela que nous avions choisi Kabela, une de nos organisations partenaires, pour venir commémorer nos 60 ans ici. Nous avons travaillé ici pendant 38 ans avec les personnes handicapées et avec les femmes. Et aujourd'hui, notre anniversaire 60 ans, c'est très important pour nous ici, avec nos partenaires. Présent au Burkina depuis 1975, International Service a permis aux membres des associations partenaires de se former en informatique, en anglais, en protection de l'environnement et en marketing.
l'ONG a mis en outre plus de 150 volontaires britanniques et burkinabés au service de ces associations. Je travaille avec une équipe de 5 volontaires. 3 sont des volontaires britanniques et 2 volontaires nationaux. On travaille ensemble sur beaucoup d'activités. On a un groupe de théâtre, un groupe de l'environnement et un groupe sur les activités génératrices de revenus avec les femmes. Au programme de la célébration de ses 60 ans d'existence de l'ONG, il y avait également une séance de plantation d'arbres et une exposition de produits, fruits des activités des différentes associations partenaires. Soumaïla Cissé de l'Union pour la République et la démocratie, Modibo Sidibé du Parti des Forces alternatives pour le renouveau et l'émergence et Ibrahim Boubacar Keïta sont partis pour être les 3 candidats favoris à la présidentielle malienne du dimanche prochain. À 2 jours du scrutin, les 3 hommes multiplient les rencontres avec les électeurs. Au siège du Haut Conseil islamique, c'est à son tour de passer le grand oral devant les membres du bureau exécutif national qui ont déjà reçu ses rivaux. Soumaïla Cissé dévoile son programme qui vise à redonner au Mali sa fierté. À la fin des échanges, pas de consigne de vote donnée par les religieux. Qu'importe, Soumaïla Cissé affiche une grande sérénité. Je crois que c'est une dynamique qu'il faut créer et j'entends créer cette dynamique en proposant quelque chose de solide, en trouvant les hommes qu'il faut en ce moment-là et en ramenant la paix et la sécurité avec l'appui bien sûr des partenaires qui nous ont aidés depuis tous ces longs mois. Ancien ministre des Finances, Soumaïla Cissé défend les couleurs de l'Union pour la République et la Démocratie, la deuxième force politique du Mali. Il jouit également d'une solide expérience internationale pour avoir été pendant 10 ans le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comme lui, Ibrahim Boubacar Keïta est un favori pour le scrutin de dimanche. Ancien Premier ministre, Ibeka pense être le seul candidat à avoir le profil de président dont les Maliens ont besoin. On veut un homme d'État intègre. On veut un homme d'État à hauteur de mérite, de compétences, qui sache ce qu'est l'État, qui sache diriger l'État, qui ait de l'autorité, pas de l'autoritarisme, mais de l'autorité, pour que les tâches rigoureuses qui sont attendues soient mises en œuvre. Fort du double soutien d'une bonne frange de l'armée malienne et de nombreux chefs religieux, Ibrahim Boubacar Keïta se dit confiant quant à l'issue du premier tour de la présidentielle. Même optimisme au QG de campagne de Modibo Sidibé, un autre ancien Premier ministre. En campagne à Sikasso, le candidat des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence jouit d'une bonne réputation auprès de ses partisans. Ces derniers le présentent comme un homme intègre. Il n'a jamais été mêlé à aucune affaire. Il ne donne aucune casserole. Donc, c'est la fonction d'État à ce niveau-là pendant 20 ans et n'être trempé dans aucune sale affaire montre à quel point l'homme est nationaliste, l'homme est patriote et se bat pour le bien-être du peuple malien. Criminologue de formation, Modibo Sidibé a été pendant 20 ans ministre au Mali. Pour son équipe de campagne, c'est un atout qui peut permettre à cet ancien policier de remporter le scrutin dès le premier tour. Sport volleyball, le Ghana s'est qualifié pour le tour suivant des éliminatoires du championnat du monde de la discipline. Les Black Stars, battus à l'ouverture de la compétition par les étalons, se sont repris en dominant les éléphants de Côte d'Ivoire par 3-7-0 hier au Palais des Sports de Ouagadougou. Reportage Victorien Marienne. Attendu au pied du mur après avoir concédé une défaite aux étalons leur première sortie, les Black Stars en maillot jaune n'ont pas fait dans la dentelle face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Les Ghanéens ont annoncé les couleurs d'un kit ou double dès le premier set. Les deux équipes se sont dominées tour à tour dans cette partie remportée de justesse par les Black Stars 25-22. Il n'en fallait pas plus pour libérer Mustapha Marfo, Francis Fiagbe et autres dans ce match à ne pas perdre face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le deuxième set n'a rien perdu en intensité et engagement de part et d'autre. La bataille est épique au-dessus du filet. Les balles de feu font des dégâts dans le camp des éléphants. Les Black Stars, plus homogènes et précis dans le jeu, s'imposent à ce deuxième set par 25-18 et ça fait 2-7-0. Tous ceux qui s'attendaient à un sursaut d'orgueil des éléphants de Côte d'Ivoire au troisième set
ont vite déchanté au fil des minutes. Eric Kofi Yoboué, Albéric Yao Boka et les éléphants sont dépassés par les événements. Les Black Stars sont irrésistibles. 25-21 a été le score du troisième set. Score final, 3-7-0 pour les Black Stars. La courtesse physique n'explique pas tôt, mais ça prend un peu dedans. Et si on arrive qu'il y a une déroute un peu dans l'organisation face à l'autre équipe adverse, ça peut être... Il a fallu revenir moralement. Vous avez vu qu'à chaque fois, ils ont essayé de venir, mais on a été tout le temps devancé. C'est difficile de revenir. Moralement, ça pèse. Les Black Stars, qui totalisent 5-7 en deux rencontres, sont les premiers qualifiés du groupe D, Zone Afrique, pour le tour suivant, en attendant le résultat du face-à-face étalon-éléphant ce soir au Palais des Sports de Ouagadougou. Musique pour boucler cette édition, c'est parti pour la 8e édition de l'émission de variété de la RTB Faso Academy. Le lancement du CRU 2013 a eu lieu hier et a permis de présenter les 64 candidats des 13 régions retenues pour compétir. L'édition de cette année est placée sous le signe de la célébration du cinquantenaire de la RTB. Frédéric Étienne Bassenga. Voici les prétendants au sacre de Faso Academy 2013. Entrée dans l'école de la musique de la radiodiffusion télévision du Burkina par l'entremise des castings organisés dans tout le Faso, ces 64 candidats espèrent tout succéder à Ahmed Nitiéma, grand vainqueur de l'édition précédente. Si pour certains c'est la grande première, d'autres par contre ont déjà tenté l'expérience l'année dernière. Scène de joie, de fortes émotions, messages souvent empreints de trac, ils ont été tous présentés au public qui a fait massivement le déplacement et aux milliers de téléspectateurs scotchés devant leur poste téléviseur. Riche en couleurs, cette soirée qui marquait la présentation des candidats et le lancement officiel de Faso Academy 2013 a surtout permis aux anciens académiciens de s'exprimer à travers leurs chansons. Ce sont les finalistes de l'édition 2012 qui ont donné le ton avec la chanson enregistrée grâce à Amity Meria. Puis Idak Bassabé avec son nouvel album, sans oublier Dick Office et ses danseuses qui ont émerveillé le public. Pour les manches éliminatoires, c'est la chanson Bina de Jeune Conqueur qui est imposée aux filles et aux garçons. Les filles, elles devront rivaliser sur la chanson de Norat et Afom Landata. Et la fille à boum de Grec sera imposée aux garçons. Pour arriver à se hisser en 8e de finale, chaque candidat devra veiller à la synchronisation entre la voix et l'instrumental qui est noté sur 13, la maîtrise du texte qui est notée sur 7, l'expression vocale sur 20 et l'occupation scénique qui est notée sur 10. Les manches éliminatoires, 2 mars, ce samedi à Ouagadougou, au Palais de la Culture. Jean-Pierre Guingani. C'est tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de votre petit écran.